Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Guild of Dungeoneering. Lors du dernier épisode, nous avions eu le comte Amin. Oui. Qui avait enfin fini une quête sans mourir. Bravo à lui. Il est enfin devenu un vrai guerrier. Retournons tout de suite à l'exploration, car nous ne pouvons pas acheter de nouvelles pièces. Là, il va falloir tuer la liche. Ça me paraît être difficile. Alors la liche, ça va faire de la magie, hein. C'est quasi sûr. Et donc ça risque de se défendre en magie, ça risque d'être faible au combat. Donc, moi je pense que Papillote, oui, Papillote, va aller combattre la liche. C'est parti, vas-y, mon Papillote. Alors. Oui, 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 tu n'es pas le... Qui est ? Alors, il attaque dans 10 tours. Alors, il va quand même falloir level up. Oh ! On dirait le chou à peau magique. Alors, il y a un coffre juste derrière lui. Il est niveau 4. Voilà, il est fragile, hein. Et si on l'attaque avant les 10 tours, on lui enlève des PV, hein. Ok. Et il fait quoi dans sa vie? Spooky et Death. Ouais, donc c'est vraiment... vraiment de la magie. Qu'on a bien fait de prendre un perso qui est... Ah là 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 là, la fontaine de Decay. Bon, allez hop, on y va. Allez, tout de suite vers le coffre, hein, ça me paraît être une bonne idée. Alors, on rappelle, le Breezer est un perso qui tue les ennemis... Plus, enfin, quand il défend, il tue les ennemis. Voilà. Donc, il faut faire attention. Quand même, essayer de se défendre. Si le jeu veut bien vous donner des cartes de défense, hein, parce que sinon, vous en avez pas. Et vous faites défoncer par une petite batte, quoi. Est-ce que c'est une plaisanterie? C'est une plaisanterie là. Il m'a donné aucune carte de défense quoi. J'ai un perso qui se défend, il m'a rien donné. C'est bien, merci. On aime ça. Bon, on y retourne hein. Tué par une batte quoi, sérieux. On va prendre Poslovitch, qui lui fait aussi des dégâts physiques. Non mais là sérieusement quoi, là le jeu m'a trollé. Le jeu m'a trollé par une batte quoi, sérieux. Papillote, Papillote, tu nous habitues à mieux, à bien mieux. Ah là là. Alors, est-ce que le rat va tuer Poslovitch? Attention Poslovitch, hein, c'est un rat. Hein. Ah non mais sérieux quoi, le jeu qui te met... Ah là là, le jeu qui te met aucune carte de défense, jamais, en mode non, il défend pas. Et pareil, le jeu qui te met que des bites aussi, c'est... Ok, tu fais ouais, merci le jeu. Allez, meurs. Meurs, on n'en parle plus. Ouais, Poslovitch, voilà, lui il arrive à tuer des animaux. Bravo. Barrel, armure... Oh! Une coupe de thé. On va surtout prendre du physique, hein, parce qu'on sait qu'elle est fragile. Et il nous faut de la fragilité. Il faut qu'on lui fasse comprendre que nous, on n'est pas là pour déconner, quoi. Hein, arrive un moment... Et on va lui faire... voilà, faut qu'on tape. Il faut qu'on tape. Un petit slice. Allez. C'est ça lui ferait déjà 3 de dégâts à la méchante. Hein. À la liche. Puis en plus, si on fait des trucs comme ça, si you win hell, bah, je veux dire, derrière, c'est pas mal. Hein. Là, derrière, on lui fait un bash. Bon, mais voilà. Là, le bash qui ferait 3 de dégâts avec le si you win hell avant... On dit pas non. Alors, ça peut être pas mal, je pense, contre elle. Non, ça non.
certainement pas. Il va nous falloir du physique, beaucoup de physique. Hein. Et de la défense magique, je pense. Allez. Oh là, cette classe Poslovich, ce charisme. Tellement de charisme. Il me faudrait un truc pour faire ça. Allez, il attaque dans 8 tours. Hein. On est niveau 2. On va donc affronter une sorcière niveau 3 en étant niveau 2, certainement. D'accord. On pourrait avoir des trucs qui permettent de pas mourir. Ouais. Ok. Merci le jeu. Le jeu m'aime bien aujourd'hui. Bah écoute. Tant qu'à faire. Ok. C'est 3 de dégâts. 2 de dégâts. Donc là ça ferait 3. Voilà. En espérant qu'il me fasse pas un truc à 2 PV derrière. La victoire pour Poslovich. Bravo Poslovich. Alors. En vrai, je pense que ça, ce sera bien. J'hésite, on aurait dû peut-être passer sur Swift. Hein. Mais pourquoi je vais prendre l'arcane pour pouvoir me soigner et me défendre de sa magie? Parce que c'est sûr qu'elle va faire de la magie, la liche. Hein. Tac tac tac, le bandit. Là. Alors le bandit, ouais, si on arrive à aller là, on va le mettre là, comme ça il va perdre des PV. Voilà. Je sais pas du tout là où le perso va aller. Donc, Oui, bah ça c'est sûr que là, ça va être... Hein. Fireball. Fire Blast. Alors, 4 PV, 4 PV, Pain. Ben voilà. Darkness. Ok. Alors. En vrai, je vais faire ça. C'est bon, on meurt pas mais lui meurt. J'avais plein de trucs pour me... Encore une fois, j'avais plein de trucs pour me défendre et lui faire un truc qui est imbattable. Imparable. Bon. Non. Il y a des trucs pour se soigner ici en faisant des dégâts. La masse. Si je pouvais avoir un truc pour la main gauche, ce serait pas mal aussi. Le jeu. Ça me plairait quoi. Bah écoute, pour le moment, je veux pas jouer. Voilà. Spark. Bah voilà. Tant qu'à faire. Smite, on lui ferait 2. Vas-y. Merci. Hop, on va quand même lui faire 2. Voilà. Bah écoute. Voilà, là il me donne des trucs pour me défendre. Là j'aime. See you in hell, mon ami. Aïe. Il me reste 4 de dégâts. Bah écoute. Vas-y. Merci pour les PV. C'est très gentil à toi. 2 PV. Et derrière, on la tue dans tous les cas. Très bien, très bien, très bien, très bien. Voilà, tiens, regarde.
mange-toi ça. Je vais te découper en tranches comme si tu étais une part de quiche. Je ne sais pas comment je fais pour découper les gens avec mon... Alors ça, en vrai, c'est très très fort. Hein. Le pistolet est fort, mais on n'a pas du tout ce qu'il faut. Quoi. Bon. Alors, bah écoute, on va commencer par ça. On va faire ça. Deux de dégâts. Bah écoute. Si je pouvais faire des dégâts, ce serait bien. Voilà. Il est brittle, mais attention. Il va prendre cher. Voilà. Il reste 3 PV. Taper, hein. Heureusement, là, à mon avis, dans cette map-là, il faut surtout pas prendre la plate armor. Qui vous fait plus de dégâts quand vous prenez de la magie dans la bouche. Parce que là, c'est la mort. C'est la mort. Allez, meurs. Dégage. Alors, ça, non, on avait dit. Je perds quand même pas mal de trucs de soins. Hein. Bon, j'en regagne. Non. Dans 4 tours. Bah écoute, on va te mettre de l'argent là, hein, parce que tant qu'à faire. Ah. Allez, on y va. Ah. Ah. Alors. On gagne beaucoup de trucs de soins. Hein. Ned est déjà des trucs de soins. Allez, on va prendre ça. À nous deux, la petite liche. À nous deux, à nous deux. Vas-y, mon petit Poslovic. Tu peux l'affronter, tu peux la battre. We count on you. Ne vous inquiétez pas. Je me soigne. Ne vous inquiétez pas, il ne peut pas me toucher. Voilà. Alors, tu es fragile, paraît-il, et pour le moment, je ne loot rien qui me permet de te taper dessus. C'est très très bien. Est-ce que je pourrais avoir des dégâts, s'il vous plaît? Le jeu se fout de ma gueule. On est d'accord que là, le jeu se fout de ma gueule. Ah, merci. En plus, elle est imparable. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. On veut te voir souffrir, créature des enfers. Continue à me drainer, hein. Ce qui fait qu'il survit. Ben vas-y. Bravo Poslovic, tu as battu la liche! Bravo à toi! Bravo! Bravo, bravo. A dungeoneering marvel. You really are le pognon! Bravo mon petit Poslovic! Non, c'était pas close. C'était pas close du tout. Et on a eu un nouveau Breezer. Très bien. Là 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 là. Oh, comme c'est mignon. Papillote. Ok. 300. On a que 325. Hein. Il faut 750. Hein. Ok. Attends, ça n'a rien dévoilé ici. Intéressant, intéressant, intéressant. Est-ce qu'on tente de finir des boss? Là, c'est une mimique. Et là, c'est un démon.
La mimique, elle nous poursuit, hein, on se rappelle. Allez. Oui, Poslovic, tu y retournes. Allez, mon petit Poslovic. Va combattre. Alors, mais maintenant, on sait comment les ralentir. Hein. On peut mettre des mobs pour ralentir et gagner, gagner de la force. Parce qu'elle est niveau 4, donc il faut quand même qu'on essaye, nous, de passer niveau 2. Enfin, niveau 4, hein, évidemment. Là, je peux pas la mettre. Hein ? Ah, c'est parce que je peux pas du tout les mettre. Bah, mais là, il faut essayer d'aller par là, mon ami. Allez, vas-y, mon petit spocheux. Poslovic. Écoute. On commence déjà par ça. Double drain, quoi, sérieux. Sérieux, quoi. Allez, mets-lui ce qu'elle mérite. Ah, je pouvais la tuer. Quel con. C'est pas grave. Elle est morte. Très bien. Bravo, Poslovic. Toi, t'arrives à tuer des araignées. Pas comme d'autres. Ah non, c'était des bats, c'est vrai. Plus un PV, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. Mais tu vas prendre la axe. Il me semble qu'elle est brittle ou decay. Attention, elle avance de 2. Hein. C'est decay ou c'est brittle que t'as? Brittle. Ok. Alors attends. Va là-bas. On va te mettre ici un skeleton, ici un gobelin. Comme ça, elle avancera que de 1. Elle va s'arrêter sur le skeleton. Hein. Ok. Bah ok. Aïe. Mais meurs. Bravo Poslovic. Ça fait de la magie. Alors attention. Ouais, donc ça sert à rien. Ça fait de la magie. Bah, on va prendre le poncho, hein, pour le moment. Surtout pas prendre la plate, hein, contre elle. Le Fire Imp. Voilà, nous, on va forcément aller là-bas. Derrière, on va faire ça. Il faudrait essayer d'aller à la fontaine. Voilà. Allez, on y va. Aïe. Hop, tant qu'à faire. Bah, tant qu'à faire. Hein. Aïe. Yes. Slovitch. Ah, tué par une mimique, quoi. Sérieux. J'y arriverai jamais cette quête, je crois. Après, il y a Malice, quoi. Eh, hey, vas-y, le Baron d'Onyx. Non. Je me suis trompé. Va mourir pour moi. Les mimiques, c'est dur à tuer. Hein. Mais là, on va pas vers elle, espèce d'imbécile. Ça, c'est le Baron, ça. Eh, le Baron, toujours... Mince, c'est pas ça que je devais faire. Quel con, je devais mettre l'araignée là. J'y ai pas pensé. Bah très bien.
Le chum, c'est quand même un super bon départ. Hein. Parce qu'il a, il a quand même des défenses all. Enfin, quel que soit... Enfin, vous défendez si c'est magique ou physique, quoi. Donc c'est très très bien. Il y a quand même des trucs qui font 2 de dégâts au début, bon, voilà. C'est pas le pire, c'est pas le meilleur. Mais c'est pas possible! Sérieux, quoi? Non! Oh là là, on est... C'est un double shoot, là! Non! On meurt tous les deux, pourquoi c'est pas lui qui meurt avant? Je vais jamais y arriver cette quête. Hein. C'est bizarre. Hein. Pourquoi celle-là, j'y arrive pas? Il va falloir remplacer. Hein. Il va falloir faire du remplacement. Il va falloir des noms. C'est pas grave. Le contamine va y arriver. Lui. Vous allez voir. Alors. Tu vas mettre ça. Tu vas mettre... le gobelin. Tu vas mettre le Fire Heal. C'est dommage d'ailleurs que ça fait pas des dégâts au boss. Ce serait marrant. Ah, ça commence bien. Vas-y mon petit compte. Tu vas y arriver. Plus tu t'as plus de PV au départ des batailles. Nous sommes contents. Ah, tu vois, moi aussi je peux te faire discard. Voilà. Méchant. Oui. Les trucs qui fait 2 PV quand même. Bah écoute. Tiens, perds un PV pour rien. Voilà. Mais oui, le contamine, voilà, le contamine, tellement fort. Mais je viens de te l'enlever, tu la repioches déjà, quoi, sérieusement. C'est fou, ça. Allez, va-t'en. Méchant. Une rapière, pourquoi pas. Dessert spoon, c'est mieux. Bah, dessert spoon, hein, c'est mieux que la rapière. Oui, une cuillère à dessert, c'est mieux qu'une rapière. C'est comme ça, c'est la vie. Alors... bah de toute façon, j'ai pas deux monstres. Ça aurait été bien d'avoir deux monstres hein, pour l'empêcher de venir. On ne l'a pas. Oui. Au moins comme ça, on, voilà. Hop, on perd pas notre PV. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, tiens. Voilà. Le headbutt, comme ça il me fait un truc à 1 de dégâts de base. Tac. Vas-y, le contamine, tu vas y arriver. Tu arrives à combattre des gens maintenant. Car tu es fort. Tu es le meilleur. You are the best. Ok. Le livre. Armure plus 1, c'est pas mal. Oh, l'armure. Ok. Attention, elle arrive. Et elle est niveau 4, hein, donc on doit essayer quand même d'être niveau 4, nous, quand elle arrive. On va mettre un Fire Imp ici. On va mettre ici une pièce, et on va mettre un Skeleton. Parce qu'on va vers le bas, donc autant continuer vers le bas. Hein. Pas revenir en arrière, on va éviter. Bah écoute. Alors on sait qu'elle est, elle est brittle, hein. Donc il faut quand même essayer d'avoir des trucs qui font du dégât. Ce que nous n'avons pas pour le moment, malheureusement. Tant qu'à faire, on va faire ça. Au moins, on lui enlève son acryde fog là. Ça j'ai pas envie. À la limite ça. Ouais, vas-y. Allez. Il lui reste 3 PV. Elle va en perdre 1. Donc il lui reste 2. On va faire ça. Ça n'en perd qu'un. Et elle, elle perd 2. Et derrière, on peut faire le shift. Qui va la tuer. Voilà, merci. Au revoir, bonne nuit. Alors, le tricorne, qui est pas si mal que ça. Ah, mais je perds de la défense. Hein. Attention, attention, attention quand même. Autant prendre des dégâts. Ah, mais ce charisme.
tellement de classe. Le comte nous a envoyé une photo, hein, évidemment, pour avoir. Pour être le plus près possible de la vérité. Tiens, le bandit là, et nous on va prendre les vignobles. Hein. C'est pas encore assez haut level. Hein. On va se faire défoncer. Hein. Moi je le dis. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Lui est brittle, hein, on le sait. Je suis obligé de faire slice. Hein. Je vais enlever au moins un PV. Parce que le jeu m'aime pas, apparemment. Pas trop le choix, de toute façon. Bah on va faire ça. Hein. Aïe, et lui c'est 3 de dégâts. Ouais, c'est... Ouh, le décay qui a déclenché le brittle. C'était pas prévu. Mais ça l'a fait. Oh, frail pour 6 tours. Tellement puissant, tellement puissant. Frail pour 6 tours. Bah oui, clairement, clairement, clairement. Elle est fragile là, on va la défoncer. Elle va peut-être aller tout droit. Hein. Attention. Nous sommes niveau 3, elle est niveau 4. On va lui mettre ici un ghost pour elle. Et nous, on va se mettre un petit ours brun. Avec un peu de chance, si on a encore un bandit, on le mettra là. Allez. Neurotoxique. Bah écoute. Aïe. Boum, boum. Voilà. Donc voilà. Là, il bleed pendant 3 tours. Hein. Voilà. Et il meurt. Nickel. Merci. Au revoir, bonne nuit. Le comte qui est un gros bourrin. Un mime avec un cimetière, ça me ferait un peu peur, sérieusement. Lanterne, en vrai. Pourquoi pas. Ah, mais on n'a pas d'armure. Donc on va prendre le corset. Comme ça, on perd rien. On ne fait que gagner des choses. On est niveau 3, il faudrait qu'on soit niveau 4, ce serait bien. Toi, tu vas aller là pour perdre 2 PV, ce sera plus simple pour nous. Et ensuite, on peut mettre ça là-bas. Allez, hop. Non, toi, t'as pas voulu. Voilà. Allez, petit ours brun. À nous deux. Bah écoute, on va te bleed. Hein. Voilà. Ça, c'est très très bien, très très fort le bleeding. Dans tous les jeux, de toute façon, le bleeding, dès que vous avez du bleeding dans un jeu, c'est, il faut toujours le mettre. Allez. Pas très, très grave. Attention, il va faire... Voilà. Là, par contre, là, il va commencer à... taper. Voilà, on va te mettre du decay, parce que pourquoi pas. Voilà, tant qu'à faire. Hein. Et dégage. Oh oui. Un meilleur bouclier. Alors, on n'a plus le counter, mais on gagne du feu. Ah. Physical dealing plus 3 de dégâts. Ah, ça, ça peut être pas mal, mais on n'a rien qui fait 3 de dégâts. Alors, on perdrait le counter, mais on gagnerait des soins. Dans tous les cas, on perd le counter. Là, on gagne des soins. Là, on gagne des dommages. Plus un PV. Là, on gagne un soin. Ouais, vas-y. Et on passe level 4, ça, c'est très bien. La fontaine de clairvoyance. Donc, on est le même niveau qu'elle. Elle a combien de PV? Je veux voir. Elle a 11 PV. Alors. Moi je veux être à l'origine du combat. Je veux la combattre là où je veux la combattre. Ça va être là, de toute façon, je pense. J'avais oublié qu'il faisait ça. Très bien. Aïe! Il est fort, hein, lui. Très 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 fort. Voilà, un peu de bleeding.
Alors, il fait beaucoup de dégâts parce que justement, il a le claustrophobe. Hein. Qui peut vous permettre de le tuer facilement. Ok, on nous repropose le shield. Mais là, je perdrais beaucoup trop, je pense. Moi, vraiment, d'avoir un truc qui me donnerait beaucoup, beaucoup. Voilà. Nous, à notre tour, on va aller là-bas. De toute façon, ça va être ce tour-là. Hein. Donc, bon, on peut pas non plus tout le temps. Voilà. Allez, on y va. C'est l'heure. C'est l'heure de la combattre. On n'aura pas le choix, de toute façon. Il faudra bien y aller un moment ou un autre. On a fait ça quand on a pu. On aura quand même le bloc qui pourra nous permettre de survivre. Restore. Justement, donc on y est. Qui pourra peut-être nous permettre de survivre, hein, le bloc. Avec nos deux points de faveur. Apparemment, le jeu veut que je la batte à la magie. C'est bien. Ok. Répel, hein, pourra toujours nous sauver. Répel très très fort. Ok. Mais, j'aimerais quand même arriver à un moment le tuer. Ouais, bye. Bah voilà. Hop. On a gagné. Bravo le comte. Il arrive quand même à faire des combats, le notre comte Amine. Hein. Bravo à lui. Allez, c'est parti. Ah! Ah! On regagne notre counter. On perd notre bleed, c'est mort. Counter, brace et bash. Mais là, je gagne beaucoup de PV. Allez, vas-y. Allez. Ah, la vengeance, c'est à toi. Le compte face à la mimique. Ben voilà. Déjà. Mange ça. Des brittle et des cailles. Voilà. Déjà. Brittle, c'est à 3 de dommages. Dommage. Boum, boum. Voilà. Allez. Mange-toi ça. Aïe. C'est que le physique. Hein. Non, oui. Bravo, le contamine qui a battu la mimique. Bravo à toi. Now showing off is quite a bore and certainly not becoming. Bravo. But what we have here next in store will surely have you. Bravo le contamine. Oui, tu commences à accumuler de la force, contamine. Fais gaffe, on va croire que tu peux finir beaucoup de niveaux. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.